Allez, regardez, on est en compagnie du FT Racing avec Sam Thomas, avec Marc Fontan. Marc, une super nouvelle depuis ce week-end. Il y a un garçon dont tout le monde me dit qu'il est très doué, qui s'appelle Alexis Boudin. Et a priori, il va être dans votre équipe comme quatrième pilote. Oui, tout à fait. Donc, on avait un pilote qui était parti et Alexis s'est retrouvé un petit peu à la rue, c'est le cas de le dire. C'était un jeune pilote doué, on l'avait vu, il n'avait pas assez roulé, mais il était déjà en contrat dans un autre team. Et donc, on n'avait pas cherché à lui faire faire des sélections. Et puis là, comme il n'a plus rien, ben on est rentré en contact, mon ami Sam est rentré en contact avec lui pour le faire rouler. Parce que c'est dommage d'avoir des jeunes comme ça qui sont brillants, qu'on laisse ses choix comme ça sans pouvoir leur donner leur chance. Et donc ce week-end, il est là avec nous, avec Carole, pour commencer l'aventure avec FT Racing. Beaucoup disent qu'il est peut-être le pilote le plus doué qu'on a eu depuis Fabio Quartararo, tout simplement. Oui, ça après, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, comme on dit, mais je pense qu'il est doué. On va essayer de le faire travailler. Là, il n'a pas roulé avec la moto, il va rouler pour son ouverture lors de la deuxième manche du championnat de France Superbike 300. Donc c'est un apprentissage qui va être dur. Justement, on va voir s'il a des nerfs solides et s'il est doué. On va essayer de l'épauler, de l'accompagner, mais c'est vrai que c'est un jeune pilote doué, c'est sûr. Normalement, vous savez faire. Vous avez eu Jacques, vous avez eu Laconi. Oui, Jamais, Scarnato, etc. Oui, mais vous savez, on va essayer de faire une alchimie un peu différente parce que les générations ne sont pas les mêmes et les demandes ne sont pas les mêmes. Maintenant, il faut quand même ouvrir la paix de gaz, prendre effort, mais comprendre bien ce qui se passe pour être capable de bien traduire aux mécaniciens, ça va être le cas. Alors Sam, c'est vraiment le scoop du week-end, ça s'est décidé quand qu'Alexis Boudin a roulé au circuit Carole. D'après ce que m'a dit Laurent Gagné, c'était lundi, mardi, là, en tout début de semaine. Effectivement, lundi on a reçu un coup de téléphone, mardi Laurent Gagné a confirmé, on a discuté, on est resté longtemps à échanger. Et hier, pour la première fois, on a rencontré Alexis, qu'on avait déjà croisé dans les paddocks rapidement. Et on a discuté pendant 2 heures, une discussion à bâton rompu, on a parlé de moto, de choses et d'autres, etc. Le gamin, on l'a trouvé génial, intéressant, comme beaucoup de gamins aujourd'hui, qui sont ouverts à tout, qui regardent tout, qui ont envie d'apprendre. Et puis, bah, on a dit, ok, bon coup, on tente le coup. Et l'idée, en fait, l'idée de Marc, et ce qu'il a derrière la tête, c'est de faire le championnat de France en entier, et peut-être de faire l'ouverture pour lui, pour la première course de championnat du monde à Magny-Cours au mois d'octobre. Ben, ce serait super. Juste une dernière question, on me dit qu'il roule très vite, mais qu'il est également très intelligent. Oui, il paraît brillant. Voilà. En discutant, Marc l'a questionné sur quelques petits aspects techniques, et on voit que le gamin a du recul, a de l'analyse, et lui répondant. Eh bien, on verra tout ça, et rendez-vous samedi et dimanche au circuit Carole.